Et on est reparti. Alors. On est reparti avec notre base qu'on est en train de fortifier et tout ça. Là, on a pas mal de place, on va pouvoir faire les trucs d'histoire là. Alors, quelque chose que je voudrais faire. Donc, nous on est là. Là, il y a ça. On pourrait faire comme ça, à la limite. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Ah putain! Je faisais pas attention au truc invisible. Et ça aurait pu me tuer en fait. Ça aurait pu me tuer. Apparemment, ça se fait attaquer. Qu'est-ce que vous faites, hein, les animaux de merde, là? Hein? Non mais... On a pas la tête. Ok. Donc comment on découpe la map? On peut faire ligne droite, hein, comme ça, honnêtement. C'est quoi le bruit? Honnêtement, je suis plus... Plus dans l'idée de faire la ligne droite, là, genre du truc debout jusqu'au truc debout, voilà, tout simplement. Ouais, je crois qu'on va faire ça. On va préparer le terrain. On va faire comme ça. Là, ça fait un mur, c'est pas mal. Tu vois? Des bestioles sur nous. Mais cassez-vous, elles sont. Faites chier tous, hein. Par où? Là. Ok, juste côté est. Okay, côté est, ça va, il est défendu. C'est pas très grave. Et après, on pourrait bloquer comme ça en fait. On fera des plus grandes lignes. Comme ça. Ce serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Bon, le côté est, il y a un mur et tout, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'avoir peur. Voilà. Ok, quand on fait des grandes lignes comme ça, ça lag un peu. Ça lagouille.
le mettre à l'extérieur, le quatrième. Voilà, nickel, nickel. Nickel. Est-ce qu'on met... Ouais, on va mettre là. Ouais, très bien. Mettre un téléporteur là. Nickel. Ouais, je vois la horde sur la map, elle arrive, mais elle se fait défense pour le moment. Je sais qu'on a des trucs pas protégés, mais c'est pas très grave. Quoique, on va peut-être aller voir quand même. Ah oui, d'accord, c'est des niveaux 1 ici. Pas en équipement de combat, donc c'est un peu dangereux. Laser de Dieu. Nickel. On va récupérer la biomasse animale en fait. La biomasse animale, c'est... C'est sympa quand vous avez pas trop de moyens de faire de l'énergie, mais honnêtement c'est pas vraiment... Il faut tuer énormément de monstres et tout, enfin, c'est ce qu'on fait tout le temps, mais bon, pas vraiment intéressant. Allez, on va continuer notre mur à l'ouest. Voilà, c'est pas mal, là c'est pas mal. Maintenant on va lui mettre un peu de défense. Ah putain. Ah, j'ai plus de cobalt. Sans déconner, on a plus de cobalt. Ça c'est en local. Est-ce que c'est parce que c'est en local? Ça m'étonnerait quand même. Ah putain. C'est bon. Je pense pas que c'est lié au le fait que ça soit local, hein. C'est vraiment certain. Encore en local. Ah, c'est là la coupure. Non. Non. Parce que le cobalt en fait monte pas du tout. Et ça, ça indique pas comme quoi c'est vide. Putain, mais c'est fou ça. Pourquoi j'arrive pas à le rendre à le... Pourquoi j'arrive pas à le connecter, quoi? C'est où ça?
very slow today. Ça, ça m'énerve, là. Genre, ça viendrait de la base, de l'intérieur de la base qui est pas connecté entre elles. Parce que là, à l'extérieur, honnêtement, avec tout ce que j'ai mis, hein. Genre là, comment ça peut pas être connecté, tu te fous de moi? Genre, même ici, pourquoi c'est local ici? C'est local parce que je fais de la merde. On m'explique pourquoi je suis toujours en local. Ah, ça y est. Donc une recherche sélectionnée. Ah oui, je crois qu'on a quasiment tout fait. Voire tout fait. On va faire ça. Il faut qu'on augmente notre notre quartier général. Wind is picking up again. Power generation is back to normal. Mais du coup, le cobalt, ben je crois que le cobalt c'est mort. Il y en a plus en fait. Ah, je crois que c'est vide. Hein. Le cobalt est vide. Bon, en tout cas, j'ai pu reconnecter tout ça. Mais le cobalt est vide. Il nous faut un autre endroit de cobalt. Après, il y aura des, il va y avoir des biomes avec plus de... Oh merde. Oh, truc invisible. Ça c'est bien parce que le laser en fait va même target les trucs invisibles en fait. C'est vraiment cool. Il y a des bestioles qui se baladent. Donc plus de cobalt pour le moment. Donc tout ce qui est à base de cobalt, pour le moment on va pas le faire. Ouais, on a 30 et quelques. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. De toute façon, les murs et tout ça, c'est le plus important pour le moment. Donc, comme j'ai dit, on continue ça. Alors là, on a de l'acide. Enfin, de la vase. On va pouvoir l'utiliser. Je crois qu'on va faire ça. Comme ça, ça nous fait un peu un truc différent. Parce que, à part construire des murs et tout ça, à part jouer Trump, là, pour le moment, on fait pas grand-chose. J'avoue. Donc, on va montrer un peu comment ça fonctionne.
Là en plus on a de la place. Donc on va pouvoir faire un truc sympathique. Alors. Merde, c'est vendre. Oh là là, quel con. Quel débile. Oh, quel débile. Alors, pour la vase, alors déjà, on va pouvoir les mettre aux extrémités. Putain, ça fait mal. Pour pouvoir en avoir plusieurs. Genre, hop. Ok, déjà, ça en fait 4. Nickel. Alors, pour la vase... Il faut ça, ça va générer du gaz inflammable. Ouais, ça va générer du gaz inflammable. Donc il faut quand même de la place par contre. On est où? On est là. Donc on va... ouais, ici c'est pas mal. Il faut de la place, il faut de la place. Alors. Faut penser au tuyau. Après j'aurais peut-être dû mettre construction moins 4%, là c'est vrai que... Mais j'avais pas pensé au cobalt, honnêtement je pensais pas qu'on utilisait autant de cobalt. Mais bon maintenant c'est fait, c'est pas grave, on a plus le cobalt. Ok. Voilà, tout est connecté... Non, celui-là non, voilà. Où il est de ce côté là. Non. Putain, elle est où la sortie? Ashley, I'm detecting a sudden change in air humidity and wind speed. Là on est bon. A fog is forming up. Je suis débile. J'arrive pas à voir d'où vient la sortie en fait. Non, elle est là, putain. Là on est bon. Ok, ça marche, let's go. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ça. Très basique. Normalement, elle devrait être nickel, les trucs. Il faut les alimenter. Normalement, elle devrait fonctionner à plein régime. Voilà, on a 2400 de vases. Et la dernière, elle est à 2400 de vases. On voit en bas à gauche, hein, ici. On peut voir 2400 de vases, ça produit gaz inflammable 100. Est-ce qu'on pourrait en même en rajouter encore? Après, vous les mettez un peu comme vous voulez, hein. Des trucs. Moi je les mets comme ça pour faciliter. Mais après vous pouvez genre mettre comme ça, puis après de l'autre côté, vous voyez comme ça les tuyaux en fait vont dans les deux sens. Parce que là on est à 2400 de vases dans les autres. Et si jamais je coupe ça, on est d'accord que si jamais je coupe ça... Attendez. Si jamais j'en coupe un, on serait à... Ah ouais, mais il est pas utilisé. Ouais, on est à 1800. Ouais, non, c'est bon, c'est bien ce que j'ai bien... J'ai bon. Parce que entre les jeux de stratégie, tout ça, des fois ça change. Donc ouais, il y a zéro limite en fait dans les tuyaux. Si vous en connectez 50 milliards des trucs, bah il y aura plein de ressources dans les tuyaux. Il y aura plein de vases ou de boue ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc maintenant, alors... Là on a un biocomposteur. Produit du gaz inflammable à partir de la biomasse, non, ça on s'en fout. Compresseur de liquide, ça c'est pour faire téléporter les choses, mais nous on s'en fout. Des compresseurs, ok. Synthèse de carbonium, pas besoin. Ça, pas besoin, pas besoin. Okay. Donc nous on voudrait ça. Centrale à gaz. Ouais, centrale à gaz. Qu'on voit un peu. Centrale à gaz, ça prend quoi? Moins 50. Et là ça produit 50. 100. Ok.
Et après, on en aura besoin des centrales à gaz, si je dis pas de bêtises. Ah, putain, centrales à gaz. Alors, on peut faire... Je crois qu'on peut faire bête et bête et méchant comme ça. Je sais pas si on aura assez de gaz, par contre. Hop là. Je sais pas si ça va fonctionner. On va peut-être pas avoir assez de gaz en fait. On verra ça. D'abord on va. Là on a des trucs. Bien. Ah, c'est quoi ces monstres là? On va mettre un... Hop là. Merde, ils n'ont pas aimé. Pas connecté quoi. Putain d'arbre à la con. Et finissez qu'on voit un peu comment ça marche. Normalement ça devrait jumper là l'électricité produite. Ça devrait jumper pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même mettre des mods dans les tourelles. On peut même... faudra qu'elles soient d'un certain niveau, je crois. Mais on peut même mettre des mods dans les tourelles. C'est un peu abusé, en fait. On est à 6800 maintenant. On génère du courant. Je crois qu'on est bon. Je crois que ça marche bien. Alors, faut voir un peu ce que ça dit. Gaz inflammable 900, énergie produit, centrale à gaz. Je pense qu'on est bon. Ah ouais, vu que c'est connecté maintenant, on peut voir en fait. Genre là, ça fait 2400 de vase et gaz inflammable 900. Et là, plus 500 d'énergie, gaz inflammable moins 50. Donc on pourrait encore en rajouter, c'est ça? Ah oui, il nous faut un détecteur aussi. Que je regarde un peu la map. Où est-ce qu'il en manque? Genre là. On va attendre qu'il soit construit. Normalement, ça doit pas trop être lent. On verra ça après pour le reste. Là, ça devrait être connecté. Ok, nickel. Très bien. Et là, on a le... Ok. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Petit coup d'eau. On est bien. Alors, comme j'ai dit, on peut faire encore plus de centrales à gaz. Donc là, on pourrait... Je suis quasiment sûr qu'avant on pouvait pas franchir les tubes.
Maintenant on peut. Genre je suis sûr qu'on pouvait pas faire ça. Je sais plus. Je sais plus. Alors on fait voir. On va prendre ça. On va faire comme ça. Là je crois que on produit pas assez de gaz. Mais on va voir. On a combien de gaz dans les tuyaux? On a inflammable 900. Et là on est à moins 700 de production. Donc ouais, on en fait plus que on en a besoin. Merde, vous arrivez au mauvais endroit vous. Vous me faites chier, on va devoir combattre ici. Vous me faites chier. On va s'équiper parce que là je le sens mal. Ok, let's go. On a peut-être trop de turbines là. Ou alors faudrait plus de trucs. Je sais pas. Après on aura peut-être pas assez de vases hein, aussi. C'est toujours un peu le même système. Hop. Hop. Dans 40 secondes, ils arrivent. Ouais, là, on aura peut-être pas assez de trucs. Je pense. Ça, c'est au max, ça, c'est au max, tout est au max. Allez, que ça finisse, qu'on voit un peu. Ouais, après, il faudrait... Ça, c'est ce côté... Ah, j'ai vraiment pas envie de le faire, le sud. Ça va être relou. Ça va être vachement relou. Là, on pourrait faire bloquer là, bloquer là. Ouais, là, on va faire des petits murs. Enfin, après, on pourrait faire ici et ici. Comme ça, on aurait pas mal d'endroits, en fait, avec des ressources. Je sais pas. On va voir. Mais après, on pourrait partir aussi. On a 7100. Alors, fais voir un peu. Bah, honnêtement, on est bon. Ouais, 1000, 1000, 1000. Gaz, 1000, 1000, 1000. On est bon. Toi, t'es au max. Là, on est à 700 secondes et à gain de flamme 1000. Ouais, non, niveau énergie, on est bon. Bon. On a les rochers qui nous aident un peu là, c'est bien. Toi, ah, pas la tête. Ouh. Bah, du coup, on est bon, hein. Avec les. Je suis un peu étonné que les centrales. Alors, peut-être qu'après, ils ont revu le truc à la baisse, hein. Mais là. Là, on est très bon. On va même en mettre une autre. Putain, 2 minutes.
On peut même en mettre une autre, hein. Alors, tout ça, ça c'est libre pour nous, c'est bien. On a de la place. Donc ça, on peut tout défaire. Notre base, là, on peut tout enlever. Parce que là, c'est protégé. Genre tout ce mur vers le nord, là, tout ça, on peut tout virer. Ouais, non, ça c'est bon, on peut tout enlever. Alors après, moi je voudrais bien faire le. Ah, qu'est-ce que c'est moche ici? Faire le quartier général, mais. Le quartier général, en plus, on peut pas l'enlever, je crois aussi. Je voudrais bien faire le quartier général, mais on n'est pas prêt. Genre, si ça arrive du sud, on va pleurer. C'est ça le problème. C'est qu'on va, on va vite pleurer, en fait. C'est un peu la merde. Donc là, on va dire que c'est bon. Il faudrait bloquer là. Non, il faut continuer. Il faut continuer, il faut faire le tour, tranquille. Parce que sinon, on n'aura pas fini. Non, sinon, on va s'exposer et on va être dans la merde. Donc... on continue ce qu'on est en train de faire. The wind is picking up speed. On continue ce qu'on fait. Donc là, on a un gros rocher. These strong winds can make our life easier. Wind turbines are spinning like crazy. Nickel. On est à plus 11k avec les turbines à 500%, les éoliennes. Je suis assez impressionné par par le gaz. De souvenir, c'était un peu plus chiant. Après, peut-être que je le faisais mal. Parce que je me rappelle, au début, j'avais des problèmes. Mais après, j'en avais pas. Donc je pense que c'est parce que au début, bah, je savais pas trop... Déjà, je savais pas qu'on pouvait mettre plusieurs tuyaux, non, plusieurs pompes, pardon, dans la même mare. Il faut juste les espacer. Par contre, ça, on va enlever. Même les tourelles qu'on pose, là. Merde, je peux pas l'enlever. Normalement, je peux. Ouais, c'est bon. On peut leur... Je crois qu'il y a des tourelles, on peut mettre des mods, même des tourelles qu'on pose. Bon, ça c'est bien. I've detected an unusually large creature roaming the nearby area. C'est nickel. Sounds like an interesting research specimen. We should go to its location and see what we can learn. The wind is calming down. Wind turbine power output is coming back to normal. Je pense que c'est le plus rapide et le plus efficace de faire comme je fais. Ça, c'est surtout la lenteur en fait. Mais ne vous inquiétez pas, une fois qu'on aura fini cet endroit là, parce que cet endroit là en fait ça va être l'endroit mer. Et on va devoir y revenir et tout ça. Et comme j'ai dit, après, quand on y reviendra, ça sera un carnage. Il y aura des monstres de partout. Il y aura des vagues, ça va être des trucs énormes. Il y aura plusieurs types différents monstres aussi, de tous les biomes. En tout cas, si ça n'a pas changé. Et en plus de ça, on a le DLC. Donc le DLC, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Donc on aura sûrement d'autres trucs encore. Donc ouais, honnêtement, prenez votre temps. Et comme j'ai dit, si on meurt, on meurt là. Donc j'ai pas envie.
s'alimenter, nickel. Donc on va avoir la bestiole. D'abord on va faire téléporteur ici. Ah, bestiole. Ah attends, on n'est pas prêt. Très bien. Là on a un grand lac de boue, honnêtement. Je sais pas vraiment ce qu'on peut en faire. Je sais même pas, à part créer de l'eau, je sais pas ce qu'on peut en faire en fait. On peut l'analyser ou pas? Je me demande pourquoi elle est agressive. Parce qu'on est arrivé sur la planète, on a commencé à foutre le feu partout, à pomper les ressources extrêmement violemment de la planète. Je sais pas, honnêtement. Je sais pas pourquoi elle est agressive, cette bestiole. Ouais. Vraiment, hein. Du mal à comprendre. Vraiment beaucoup de mal à comprendre. Très étrange. Pourquoi je vois du local? Pourquoi je vois du local, mais du gros local en plus. Genre, où est le cœur de la base du coup? Parce qu'on doit avoir des trucs qui doivent pas fonctionner. Non, ça y est. Non. Non, ça doit être bon. Très bizarre. En plus, on a le gros local quoi. C'est. Là. Ah, je vois pas pourquoi il y a écrit local là. Bon, c'est pas très grave, on continue à faire le tour de la base. C'est pas très compliqué, pas très grave. Par contre, ça on peut l'enlever parce que maintenant on a. Ça, on a fait le mur sur l'extérieur. Ce qu'on pourrait faire, c'est plus de ressources, de boîtes à ressources. Je dirais pas non. Là, c'est le début. C'est où on a posé le quartier général et tout ça. Non, le quartier général il est là. Non, là on a mis des éoliennes, des trucs. On peut tout augmenter de niveau par contre. Enfin, les choses qu'on peut en tout cas, parce qu'on a plus de cobalt. Ça aussi, on en a plus besoin de ce mur-là. Enfin, celui-là, en tout cas, on va l'enlever.
très bien. Ça, on va le déconstruire un jour ou l'autre et on va le mettre autre part parce qu'il faudra plein de place. Comme vous voyez, il faut différents types de d'acheminement de produits, donc c'est la merde. Wind is slowing down. The air is getting dense. A fog is forming up. Okay. Tiens, là on n'est plus en local. J'essaye de comprendre en fait ce qui se passe. Mon bordel. Ah, c'est also affecting our solar panels and wind turbines. We have to wait it out. Alors, on va finir ça. Genre là, on a un couloir, couloir un peu pourri, j'avoue. Pourquoi on peut pas mettre des deux? Ouais, il faut du cobalt aussi, d'accord. De toute façon, après, quand on aura le cobalt qui reviendra à foison, c'est là qu'on... Alors, est-ce qu'on a besoin... Non. C'est là qu'on va commencer à remonter de niveau tout ce qu'on a fait. Voilà, nickel. Oh là là. Ah, le, comme j'ai dit, hein, quand on fait la base, ça peut être un peu relou. Hein. Bon, pour le moment, c'est bien. Je peux pas foutre le feu. On va faire un peu le côté droit, parce que ça commence à me gaver le côté ouest là. On va faire le côté est. Alors là, qu'est-ce que je voudrais faire? Donc je crois qu'on avait dit qu'on pouvait grave agrandir la base. Parce que là, on a des petits murs un peu partout. The fog is clearing up. This will make things easier for us. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est... On pourrait faire un mur comme ça. Et après, on bloque là. Quoi le bruit? Je sais pas. Ouais, ça nous ferait plus de place. Et ça bloquerait ce coin-là, ouais, à la limite. Ouais. On peut faire ça. Je pensais que je devrais peut-être zapper des épisodes pour aller plus vite. C'est vrai que... Géothermie, c'est pas mal.
très bien. C'est vraiment bien de pas avoir affaire à ça. C'est vraiment vraiment cool. Voilà, ça c'est prêt. Alors maintenant on veut aller jusqu'à... Ouais, on peut faire encore un mur là. Et après on aura mur naturel. Après on aura mur naturel. Donc c'est nickel. Là, il nous faut encore au moins 2 épisodes, j'imagine, pour finir la base. Oh, c'est, ça va. Deux bons gros épisodes et on est bon. Et après on pourra avancer un peu. Très bien. Et encore heureux que, honnêtement, que je connais le jeu, hein, parce que ça irait beaucoup plus lentement sinon. Par contre, niveau courant, on est 796K. Faut voir si on se téléporte là. Ouais, tout est connecté normalement. Non, pas tout est connecté. Genre là, c'est complètement en local. Ok, ça marche. 832K. Ok, non, il y a un problème, ouais. Non, 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 il y a vraiment un problème en fait. On a découpé la base. On a découpé la base en parties là. Alors, fais voir ça. On peut enlever ça. Ok, avant toute chose, faut qu'on fixe ce problème là. Ce problème du local. Donc, ça, c'est la base principale. Ok. On va aller sur le côté gauche. Tiens, on va mettre une station là. Ok, 1,6 million. Voilà! Oui, parce que je me suis dit, hein? Alors attends, par contre, tu me fais un peu peur parce que... Parce que là, il y a un... Là, ça peut être un problème. Ça peut être un problème, ce côté-là. Je crois qu'on va faire un grand mur ici. Après, on pourrait le faire un peu plus proche. Honnêtement, j'aime pas faire des murs proches de la bordure de map. Parce que ça, c'est par rapport à l'apparition des monstres, en fait. Du coup, on va tirer en dehors de la map. Et honnêtement, c'est un peu relou parce que nous, on peut pas voir, on peut pas bouger la caméra. Et on sait pas vraiment ce qu'il va avoir, ce qu'il y a en fait, s'il y a beaucoup de monstres ou pas. Donc je préfère ne pas trop m'avancer. Parce que là, on pourrait s'avancer vers la vase, par exemple. Vous voyez sur la map, il y a de la vase.
On pourrait faire jusqu'à la base, mais je suis pas trop. Je suis pas vraiment. Je sens qu'on va avoir un problème. On va peut-être mettre le courant déjà. Danger! Hostile creatures are approaching our base. Get ready for battle. Ok, nickel. Après les autres murs, honnêtement, on les a tellement bien fait, donc ça va. Voilà, tout le monde crève. Oh, l'onde de choc et tout, c'est magnifique. Ok, une grenade maintenant. Je vais voir un peu comment ça se débrouille là. Faut chier les machins. Faut qu'on sorte. On est bon. On est bon. Mais ouais, il nous faut une porte ici. Allez, vite. Ouais, là on a. Là ça a morflé parce qu'en fait on pouvait pas détruire les trucs de loin. Quand on aura. Quand on pourra mettre plein de plasma, de choses comme ça, là on va pouvoir tuer de très loin. Et là ça va faire mal. Là il y aura. Là on pourra même dormir en fait pendant les attaques. On pourra complètement dormir. Mais on a vu que ça peut être un problème quand les murs sont pas faits.
Et quoi on peut pas réparer aussi. Ok, donc là, il nous faut un détecteur, parce qu'on a un trou, avec là il nous faut un détecteur. Donc, on met ça, genre ici c'est très bien, parfait. Ah ça c'est les tours de drone aussi qui attaquent, c'est pas mal les tours de drone. C'est du ferronium et du carbonium, donc on peut... c'est pas mal. Par contre ça prend un peu plus de place, donc c'est... Donc si vous les mettez dans... Dans les murailles, ça prendra 4 emplacements en fait, 4 cases. Donc ça c'est un peu un problème. Par contre... Nickel. The storm is very violent, but our base is safe from the wind. Ça va, turbine output is at maximum levels. On n'est pas en local, rien. Voilà, nickel. Ah, quand on a vu. Quand on a corrigé ce problème de local là. Mon dieu, c'est quoi ça? Ah, des trucs invisibles, ok. Et ce qu'on peut faire aussi. Putain, on est en local. Ça va me rendre fou. C'est bon. Genre il doit avoir un relais ou quelques-uns genre qui relient la base avec tout le tour, l'extérieur et tout ça. Magazine de l'énergie. Même si je vais être honnête, on n'en a plus vraiment besoin. Ok. Nickel. Ah, j'ai pas mis de téléporteur là-bas. Je détruis pas toute la faune, la flore et tout à l'intérieur de la base pour le moment, parce qu'on a encore des petites bestioles et beaucoup de plantes et des cailloux. Parce qu'on a besoin de les analyser comme ça. Donc j'essaye de pas le faire. Et il y a un truc même que j'ai envie d'enlever, c'est le dash feu là. Parce que ça brûle tout en fait sur notre passage, donc c'est chiant des fois. Alors, on a les marteaux, les lances. Les marteaux sont vachement bien, ça fait une onde de choc au sol. Et ça étourdit aussi, champ d'étourdissement. Les lances à une très très grande allonge. C'est pas mal. Mais voilà quoi. Ça, l'explosion d'urgence, on peut en crafter une, mais je vais jamais l'utiliser. En fait, ça va faire une explosion autour de vous. Moi, je pensais au début que ça nous tuait, mais en fait, non, ça nous tue pas, donc ça va. Mais voilà, c'est pas vraiment très intéressant. Ah ah ah, là on a quoi? C'est quoi ça? On va mettre un téléporteur. The storm is over. It's so quiet all of a sudden. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas assez de vases, ok. Je crois. Ah, ça y est, on arrive. Toi. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui est cassé? Non. Mais je crois qu'il y a trop de trucs. Ah, je crois que c'est parce que en fait le courant est au max. Et du coup ça arrête de fonctionner. Je crois que c'est ce qui se passe en fait.
Mais du coup, quand ça fonctionne... Oh, c'est pas grave, on a quelle arme. Quand ça fonctionne, du coup, ça produit pas assez de gaz. Mais c'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave. Tant qu'on tombe pas à court. Continuer notre mur. Pourquoi la musique? Pour me faire stresser? Ça, on en a pas besoin. Bon, on va mettre fin à notre épisode. On est à peu près à une heure, c'est bien, on a bien avancé. Donc on a tout le nord qui est nickel, qui est verrouillé. On a tout l'ouest qui est nickel, qui est verrouillé. Il nous reste plus que cette grande zone du sud, ce qui me fait chier. Et je voudrais qu'on finisse d'abord ça, là. Parce qu'on n'a pas fini là. Et après on pourra détruire tout ça là par exemple. Ça servira plus à rien. Imaginez, avant il fallait faire ça. Il fallait rester dessus comme ça. Genre plein de trucs. Ok, donc là on peut mettre un petit mur. Ça marche. Les musiques sont vraiment cool. Oh, il nous faut plus de... d'IA. Il nous faut plus d'IA. Tiens, on a des bestioles. On a des bestioles et pas que ça. On va aller le faire et après on va s'arrêter là. Ce que je voudrais aussi, c'est un détecteur pour ce côté-là. Voilà, nickel. Voilà, je me disais, c'est quand qu'il s'alimente le détecteur. Bon, par contre, c'est loin. Il faut faire tout le tour. Quoi. Ah ouais, c'est vraiment... Oh, ben ça, c'est cool, ça. C'est vrai que je n'avais pas remarqué. On a vraiment un grand mur, en fait, naturel. Donc là, on s'en fout, là, on s'en fout. Après, bon, oui, il y a des... comment dire Il y a des... Attends, il faudra d'abord que je change. Il y a des ressources, mais c'est des ressources en fait de base, et comme j'ai dit, les ressources de base, on pourra même les créer. Bon, il faudra énormément d'énergie, mais on pourra même les créer en fait. Donc c'est pas vraiment important, comme j'ai dit. Ah, comme on est lent. Qu'est-ce que c'est relou de faire ça comme ça? Increase in wind speed.
This may affect our wind turbines. D'accord. Sans où les bestioles. Ah, très bien. Wind speed is at a low today. Wind turbines are less effective. On a sprint chaleur. T'as l'impression de se déplacer au ralenti. Voilà, nickel. Voilà, on est à 23. Ah, c'est vrai que le cobalt, on en a... Le cobalt. Ah, putain, le carbonium, on en a utilisé énormément. C'est vrai que... J'avoue que c'est descendu bien bas. Je pensais pas que... Après, on a encore plein d'endroits... Hein. Encore plein d'endroits qu'on pourrait récupérer et que je le fais pas du coup. Genre par exemple là, on va pouvoir faire ça. Parce que normalement, il n'y a pas de bestiole donc. Je les ai mal placés, c'est pas grave. Et après, là non plus. Très bien. On se connecte et on est bon. Genre là. Non, non, ça c'est bon. Après on a ici. Je vois pas pourquoi c'est pas bon. Là. On va aller le prendre celui-là qui est très loin. Normalement, il n'y a pas de bestiole. Non, il n'y a rien. Carbonium. Ok, ferronium aussi, tant qu'on y est. C'est pas, on n'en a pas vraiment besoin parce que c'est plein, mais... Au moins ça pompera dès que ça marchera quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Par contre je vais voir pourquoi là. Là on n'est pas bon. Ah elles sont pas toutes prises en compte. Ok ça marche. Et après ce qu'on peut faire, parce que là en fait c'est vraiment un peu des. Pas des super endroits pour faire des grosses constructions. Ce serait mettre des réserves. À la limite, ce qu'on peut faire. Wind speed projection is returning back to statistically normal values. Wind turbines are back at nominal power levels. Ouais, on commence à plus avoir de carbonium. Ah bah ça va vite hein. Voilà, là on est bon, là on est bon. Est-ce qu'on a du carbonium quelque part? Là aussi, là on a plein. Là on en a pas, on va aller prendre celui-là qui est là-bas, et après on va s'arrêter. Ok, nickel. Merde, c'est quoi qui... Ah putain toi. Voilà, ça prendra. Ça t'apprendra à vivre ici. À vivre. Honnêtement à vivre. Tout simplement à vivre. Fallait pas vivre. C'était... Ton erreur c'était d'être en vie. Voilà, on est à combien? On est à plus 54, 56, 58, 60, très bien, très bien. Et après là on a là, bon c'est un peu loin, il y a des bestioles, on peut faire le... On peut faire à la limite le ménage. Oh toi, je t'aime pas.
Oh, faire attention à ça. Des explosions de merde. Oh, toi non. Est-ce qu'on peut te... Yes. Ok, nickel. Nickel. Et ben voilà. C'est parfait. On devrait être à plus 70, honnêtement. Combien? 71, 72. Très bien. Et après, ce qu'on pourrait faire, là on est à plus de 10k en énergie, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à crafter des choses comme... ben j'ai bien envie de les mettre à côté de ça. Ah, à chaque fois je dis on devrait s'arrêter, on s'arrête jamais quoi. Genre ça là. Attends, c'est quoi qui crée une munition pour tout. On n'est pas limité ça. Non, on s'en fout. C'est ça. Du ferromnium et du carbonium. Coût de construction. Non, ça c'est plus 2. Non, voilà, carbonium plus 2, seconde et ça plus 2. Ouais, ça on peut en faire aussi. On peut en faire. Alors là, j'en ai fait beaucoup. Honnêtement, c'est moins 500 l'un. Donc je sais pas ce que ça va donner niveau courant. On est à plus de 10k, ok. On va voir. Est-ce qu'on pourrait faire un peu des tourbillons là. Plus 10k.6. Vas-y, fais voir. 10k.4, 6800 en temps normal. Et là, on est monté à plus 91 de carbonium. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Voilà, faut pas faire plus. Ok, on va s'arrêter là. Bien, bien, bien. On a bien avancé. Donc on est à plus 91. La 34, c'est bien, mais on l'utilise pas beaucoup pour le moment. 91, c'est très bien. On le crée nous-mêmes maintenant. Enfin, pas trop, mais on en crée qu'un peu. Ça, on va les épuiser, les endroits à l'extérieur de la base. Donc la prochaine fois, je dirai encore deux gros épisodes. Enfin, quoi que là... Ok, ça va, là, on est bon. Là on a un mur naturel encore, c'est la crevasse. Donc là on va bloquer ici. Donc du coup on pourra détruire ça. Et on va continuer de faire de mur en mur comme ça. Et là je pense qu'on va prendre la boue et je pense qu'on va s'arrêter. Ou alors on prend la boue chez nous, je sais pas. Si on prend la boue chez nous en fait ça va faire beaucoup de vide. On va avoir des murs gigantesques et j'ai pas vraiment envie d'avoir des murs gigantesques. Déjà, j'aime pas trop d'être bloqué là contre l'écran. Mais ouais. On va se mettre là, on va sauvegarder, ça sera pour la prochaine. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Ah, portez-vous bien. Et ouais, la prochaine fois, encore une fois, il faut qu'on finisse absolument les murs. Comme ça, on sera protégé et après, on augmentera le quartier général et puis après, on commencera à partir. Dans d'autres biomes et tout ça. Faut qu'on construise aussi notre recherche extraterrestre et tout ça. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire.
Voilà, voilà. Sauvegarder. Et on est bon. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.